suis R.L. Stine, l'homme qui vous donne la chair de poule. Dans quelques minutes, vous allez voir l'une de mes histoires préférées s'animer sous vos yeux. Elle se passe le jour de la fête d'Halloween et elle a pour protagoniste une petite fille qui s'appelle Caroline. L'horreur commence à la minute où Caroline met un masque hanté diabolique. Et elle se termine quand elle découvre qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour de sa famille et de ses amis. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant là-dedans? Vous allez voir, mes amis, pas d'erreur, vous allez plonger dans l'horreur. Jamais vu. Moi non plus. Mais ça tombe bien qu'il soit ouvert pour Halloween. Nouveauté en tout genre. Masque magique. Waouh. Ça affiche plutôt la frousse. Oui. Allez, viens, on s'en va. Hé, hey, tu m'entends? Hein? On s'en va. Oh. J'ai attendu la dernière minute pour trouver une citrouille. Pourquoi cet endroit fait aussi froid dans le temps? Ah, t'as entendu ce bruit? Commence pas à imaginer des choses. J'ai entendu des bruits de pas. Je crois que quelqu'un nous a suivis. C'est fou, je crois que t'as raison. Il y a quelqu'un pas loin. Quelqu'un ou quelque chose. Ça n'a vraiment rien de marrant. Je suis désolée. Vite une citrouille qu'on rentre à la maison. D'accord. Oh non, elles sont toutes moches. Ah, voilà une belle. Ça valait vraiment le déplacement. Caroline, attends. Attends-moi. Pourquoi? Tu t'es pas assez moqué de moi comme ça? Je te jure que j'ai rien à voir là-dedans. Ben voyons. Je te ferai jamais de mal. Je sais. Andrew et Steve sont dingos, tu devrais le savoir. Il faut être malade pour nous suivre jusqu'ici dans le seul but de me faire peur. Ce sont des minables qui ne savent pas vivre. Le week-end dernier, chez toi, ils se sont fait passer pour des cambrioleurs. Il n'y a pas de quoi rire. Désolée. L'été dernier, au camp, ils ont mis cette grosse araignée morte dans mon lit. Pourquoi ils me jouent toujours des tours? Je suis sincèrement désolée qu'ils t'aient fait peur. C'était une plaisanterie bête et méchante. Je sais que t'es désolée. Je le suis aussi. Il n'y a qu'à moi qu'ils font de sales tours. Sabrina, pourquoi moi? Sans vouloir te faire de peine... Je crois que c'est très facile de te faire peur. C'est pas vrai, t'es vraiment injuste. Ne te mens pas. J'ai peut-être peur quelquefois, mais pas toujours. Tout le monde sait que tu as peur d'absolument tout. D'accord. Je n'aime pas avoir la frousse, j'aime pas qu'on me fasse peur. Je te comprends. J'espère qu'un jour ils sauront ce que ça fait. La citrouille, tu la veux plus? Hé, il y a quelqu'un à la maison? C'est moi. Je suis là. Chérie, est-ce que ça va? On a été méchants avec toi. Tout va bien. Pourquoi? Eh bien, il y a quelque chose dans ton regard. Je n'ai rien du tout. Il faut pas t'en faire, s'il te plaît. D'accord, maman. Je posais juste la question. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde. Maman, c'est moi, cette tête, c'est la mienne. Je l'ai finie aujourd'hui, elle est réussie, hein? Oh, elle est en plâtre, alors fais attention, c'est assez fragile.
T'as des idées surprenantes parfois. Pourquoi tu dis ça? Ne fais pas cette tête, je la trouve super. Et très réussie seulement, ça m'étonne. Pourquoi t'as fait quelque chose qui me ressemble? J'ai fait quelque chose qui te ressemble, petite sotte, parce que je t'aime beaucoup. Pourquoi l'aurais-je fait sinon? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a souri. Oh mon cœur, tu as la berlue. Sa bouche s'est ouverte et elle m'a souri. Écoute, mon ange, il ne faut pas que ces histoires d'Halloween te troublent. Non, bien sûr, c'était sûrement un effet de la lumière. Tu devrais aller essayer ton déguisement. Il est sur ton lit. J'espère qu'il te plaira. Mais quel déguisement? Tu ne te rappelles pas? Tu as vu un canard au centre commercial et tu m'as dit que tu aimerais un costume comme ça pour Halloween. Je t'en ai fait un. Oh, oui, ça va être drôle. T'es génial. Merci, maman. Allez, va vite l'essayer. Je trouve qu'il est tout à fait charmant. Charmant? Je n'ai aucune envie d'être charmante. Je veux être effrayante cette fois. C'est mon costume. T'es une poule mouillée. Et même déguisée en canard, tu resterais une poule mouillée. Bon alors, on se retrouve chez toi vers 7h30. Joyeux Halloween. Allez-vous-en. Hé hey, Caroline. Tu sais, Steve et moi, on est désolés pour la farce d'hier. Et on voudrait faire la paire. Très marrant. Toute l'école doit être au courant. On est vraiment désolés. Vraiment. Je t'assure. Bon, alors laissez-moi tranquille maintenant. Très bien, si tu tiens. On va te laisser tranquille, c'est promis. N'est-ce pas, Steve? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous attendez pour disparaître? Qu'est-ce qu'il y a?
Waouh. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Je voudrais acheter un masque pour Halloween, s'il vous plaît. On est fermé. Ça ne me prendra qu'une minute. Je vous en prie, j'ai vraiment besoin d'un masque. Ce ne sera pas long. Tout ce que j'ai à vendre est accroché là sur les murs. Attends une minute. Allô? Il y a du nouveau? Je vois. Je vous avais pourtant dit de ne m'appeler que lorsque vous auriez du nouveau. Mais enfin, combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Bon, et alors, vous l'avez reçu? Vous avez envoyé le télégramme? Ils sont les seuls à le savoir. Non, on n'a pas le temps. Vous en avez commandé deux? Il a exactement ce qu'il nous faut. C'est indispensable. Ça ne nous sert à rien, c'est trop friable. Il nous faut une matière plus élastique. Et je n'arriverai à rien sans cela. C'est votre problème, pas le mien. Non. Débrouillez-vous. Mais enfin, les costumes, je n'en ai rien à faire. Vous devriez le savoir. Spécial. Je pourrais te le donner pour rien. Je ne crois pas qu'Andrew et Steve puissent être effrayés par un simple masque de gorille. Qui? Des garçons de l'école qui me jouent de sales tours constamment. Ah oui? Et je veux leur donner une leçon. Tu veux te venger, c'est ça, hein? Comment tu t'appelles? Caroline, monsieur. Ça te va bien. Tu as un très joli visage, Caroline. Mais je ne crois pas que je devrais... Ces masques, ils ont l'air tellement vrais. Prendre la responsabilité. Andrew et Steve vont craquer. C'est hors de question. Je suis navré. Tenez, voici $30. C'est tout ce que j'ai. Non. Non. Va-t'en vite, s'il te plaît. Allez. Ça va être génial. Grâce à ce masque, Andrew et Steve vont regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Au revoir, Caroline la peureuse. Au revoir. Comment ça marche? Touche pas moi!
Maman, au secours! Au secours! Arrête, microbe! C'est moi, Caroline! Non, c'est pas vrai! Tu ne reconnais pas mes vêtements? Ce visage! Ce masque! S'il te plaît, enlève ce masque, enlève-le vite, s'il te plaît! J'enlève, inutile de piquer une crise! Il y a un problème. J'arrive pas à l'enlever. Ne fais pas l'idiote, tu n'es pas marrante! Je suis pas l'idiote, je t'assure. J'ai beau tirer, j'arrive pas à l'enlever. Génial, non? Est-ce que je peux l'essayer? Non, je regrette. Je suis en retard. Je devrais déjà être chez Sabrina. C'était chouette. T'as vraiment eu la frousse. Comment t'as fait pour changer ta voix comme ça? C'est à cause de ça que j'ai eu peur. J'en sais rien. Mais je suis contente. Chair de poule. Ton père. J'espère que son voyage se passe bien. Amusez-vous, hein, et ne faites pas trop les folles, d'accord? D'accord. Au revoir, maman. Allô? Oh, ça va, chérie? Et Chicago, ça te plaît? Je ne connais pas. Caroline, c'est bien toi? Mais oui, Bou. Oh, ce masque, il est excellent. Il donne carrément des frissons. Et la tête? On dirait qu'elle est vraie. Où tu l'as eue? C'est moi. C'est ce que j'étais avant. Je ne te suis pas. C'est pas grave. Alors, où sont Andrew et Steve? Ah, on va les trouver. Tu as vraiment envie de leur faire peur ce soir? Rien au monde ne me ferait plus plaisir. Allez, viens, on y va. Ça va être notre meilleur Halloween. On va bien s'amuser. Et j'espère qu'on aura plein de bonbons. Où t'as trouvé ce masque? Ta mère l'a fait ou quoi? Non. Alors il vient de ce magasin étrange. Il t'a coûté cher? Je peux le toucher? Oh. Je sais que ça paraît fou, mais on dirait de la vraie peau. Je te promets, et ça m'écœure. Avec quoi il peut être fait? Il n'est pas fait avec de la vraie peau. Peut-être que si. Oh, ça serait monstrueux et dégoûtant. Pourquoi il dégage de la chaleur? Sabrina, tais-toi. Je crois que tu devrais l'enlever.
Tais-toi! Tu sais, il est carrément dégoûtant. T'as entendu? Oui, mais je n'ai pas envie de me taire. Si, tu vas te taire! Tu vas te taire! Tu vas te taire!